Sylvain, you don't have risk there. On top there, you cannot fall, right? You cannot fall, right? After when you come back, we'll clean this thing. You don't have a dirty. You don't dirty. Donc voilà, passez vos commandes du jus de canne à sucre. Nous allons attaquer, comme d'habitude. Voilà. Ce matin, nous allons attaquer quelque part. Là où les gens font beaucoup de sport. Voilà, les jus sont prêts. Ils sont prêts. Jus de canne à sucre. Voilà. Tous les jours, on nous parle des taupes de la brasserie. Mais jamais on ne vous montre le fruit, bien orange ou bien pamplemousse. Alors que le taupe de canne, le jus de canne, voilà son fruit. Voilà son fruit, le jus de canne. Voilà son fruit. Et on presse devant vous-même. On presse devant vous. Voilà. Donc apprends à consommer ce que tu connais. L'Afrique sera développée quand nous allons apprendre à consommer ce que nous voyons extrait devant nous. Hein, champion? On a oublié ça. Ah, ça c'est pour qui? Voici la machine pour extraire. Voici la machine pour extraire. Ok, voilà la machine pour extraire. Voilà. Bon les gars, on lance. Voilà. Mais il faut là un autre téléphone vraiment. Hein. Est-ce qu'on ramasse aussi l'argent? C'est ça le problème. J'ai changé le téléphone, oui, mais voilà rentrer. Hein? Ok. J'ai changé le téléphone, mais c'est la rentrée. Je gère d'abord la rentrée. La famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous savez, la vie, il faut programmer sa vie. Rien n'est le fruit du hasard. Voilà, beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent, mais ils ne réalisent rien. Pourquoi? Parce que ils croient que la vie, c'est le hasard. Non, je vais changer mon téléphone. Non, il me faut telle chose. Alors que tu as un problème qui est primordial. Tu as quelque chose qui est la priorité dans ta vie. Voilà. C'est-à-dire que, on dit dans la vie, il faut se mettre en mode. Quand les gens pensent qu'il faut se mettre en mode, les gens pensent qu'il faut s'acheter rien que les nouveaux vêtements, les nouvelles chaussures et tout ce qui va avec. Non. C'est d'aménager ton environnement. Vous allez voir les gens, quelqu'un est là, il brille chaque jour. Mais chez lui, il pleut chaque jour. Ce n'est qu'une toiture, une tôle qui a les problèmes. Mais acheter une tôle là, pour aménager sa maison, pour qu'il ne pleure plus chez lui, pour qu'il dorme en paix. Parce que quand il pleut, quelle que soit l'heure, il doit se lever. Jamais ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il veut être à la mode mondaine. Alors qu'il y a la mode qui est prioritaire, qui est là pour, pour notre avenir. Donc voilà, rien n'est le fruit du hasard, la famille. Rien n'est le fruit du hasard. L'homme doit se battre, l'homme doit travailler. N'attends de personne. Voilà, tu es né seul. Voilà. Donne-toi les valeurs. Et quiconque te méprise, tu l'envoies au champ. C'est comme ça, la famille. Donc voilà, on va se battre comme d'habitude. Et c'est la réflexion et la réaction d'un enfant qui n'a jamais été aidé par quelqu'un. Voilà, quand tu sais que tu n'as jamais été aidé par quelqu'un, tu n'attends de personne. Bien sûr, tu n'attends de personne. Moi, je te dis, hein, c'est un problème. Hein. Quand tu nais parfois et que tu as les moyens, demain, il faut faire attention. Éduque beaucoup tes enfants. C'est un autre combat pour ceux qui ont la chance de réussir. C'est un autre combat. Quand tu as la chance de réussir, vraiment, n'aie pas pitié de tes enfants.
Ne les éduque pas avec la pitié. Voilà. Et ça n'a rien à y voir. Et c'est comment? Tu étais où depuis? J'étais là. J'étais un peu malade. Ça va quand même. Ah, donc depuis là, tu es malade? Ouais. Merde. Ça va mieux? Ça va. Ok. Du courage. Les gens pensent que non, parce qu'ils ont souffert, c'est la même manière qu'il faut aussi faire souffrir les enfants. Non. Non, non, non. Ne confonds pas la manière d'orienter un enfant qui n'a pas d'issue, c'est-à-dire qui est né d'une famille pauvre, des parents pauvres, et toi qui as déjà les moyens. C'est deux mondes bien différents. Voilà. Voilà. C'est deux mondes bien différents. Tu étais l'enfant d'un pauvre. Ton père, ta mère n'avaient rien. Ils étaient en location. C'est différent. C'est différent. Ne confonds pas ça. Voilà, tu ne peux pas vivre le contraire de ta vie actuelle. Moi, je vous dis, il y a ce qu'on appelle la réalité et la vérité. La vérité, c'est que toi, tu étais l'enfant d'un pauvre. Mais la réalité, c'est que dans la vie, tu t'es battu. Ok? Tes enfants vivent à l'abri du besoin. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas de problème pour manger. Ils n'ont pas de problème pour dormir. Ne ramène pas ton passé dans la vie de tes enfants. C'est deux mondes différents. Donc ce que tu dois faire, c'est de les éduquer. Voilà. Quelqu'un peut avoir à manger, tu lui dis de ne pas manger. C'est un traumatisme. Bah, je connais des amis qui veulent faire ça. Non. Non, 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 non. C'est pas parce que mon enfant n'a pas passé un diplôme qu'il ne mérite pas la chaussure. Non, il faut l'encourager. Il y a beaucoup de choses à lui priver. Il y a beaucoup de choses que tu peux priver à ton enfant. Tu ne peux pas l'interdire de s'habiller. Tu ne peux pas l'interdire de profiter de ce que ses parents, qui est toi, hein, ont gagné dans la vie. Donc ça veut dire que quoi? On dit dans la vie, la bonne charité commence par soi-même. C'est-à-dire la bonne charité commence par soi-même. Ça veut dire quand tu es en haut du prunier, ok, tes frères doivent manger les prunes noires, c'est-à-dire tes enfants, ta femme, voilà, et tout ce qui va avec ta famille, sans compter les gens qui sont plus proches de toi. Donc il faut les éduquer autrement, voilà, il faut les éduquer autrement. Et c'est un grand combat, hein. Les gens pensent que oui, réussir c'est bien, mais c'est un grand combat aussi, éduquer ses enfants. C'est le plus dur. Moi j'ai toujours dit, le riche a de la peine que le pauvre. Le riche a de la peine que le pauvre. Un homme qui a les moyens, l'éducation de son enfant est trop difficile. Pourquoi même les enfants sont convoités? Il n'y a pas que toi qui es convoité. Il n'y a pas que toi que les mauvais amis cherchent. Il n'y a pas que toi que les hypocrites cherchent. Il n'y a pas que toi que les jaloux cherchent. Même tes enfants sont confrontés à tout ce que tu vis chaque jour. Ça veut dire qu'il faut connaître les orienter. C'est très important. Il faut connaître, orienter même tes propres enfants. Ça veut dire que le riche a trop de problèmes. Et quand je dis riche, peut-être, c'est-à-dire en Afrique, celui qui a l'abri du besoin dit qu'il est riche. Voilà. Donc, parlons comme ça, là, prenons ça comme ça. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Parce que sinon, voilà, on vous dit que voilà la succession Munkam. La succession Munkam. On dit que l'hôtel La Falaise de Yaoundé, peut-être c'est l'État qui va commencer à gérer. Voilà. Quand je dis aux gens chaque temps que non, moi en Banga diaspora, je n'ai rien à laisser à un enfant. Mon ami, je me bats parce que je dois manger demain et après demain. Je dois éduquer mes enfants. Voilà votre richesse. Je ne me bats pas pour laisser un bien à chacun. Non, non, non. Votre bien, c'est l'école. Ah oui. C'est-à-dire que sans langue de bois, je ne peux pas mourir stressé. Moi, je vais mourir trop tard. Hormis du chemin de la politique que je m'engage ou bien les prises de position que je prends, mais la vie réelle là, je ne peux pas mourir de maladie, moi, jamais. Oh, oh, je m'avais couru, non, vieux. Je suis à l'aise, je ne veux pas. Voilà, je m'en vais, je vais prendre mes jus de canne tout à l'heure et je vais courir. Voilà. Allez, je vais mourir. Pour que par derrière, vous vous tuez encore. Avec double mort. Vous pouvez dire que c'est là, on va dire que ton agent, là, c'était l'agent mal acquis. Money Frogger, Money Fonyongo. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. On n'est pas nombreux aujourd'hui, hein. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Donc voilà. On s'en va attaquer, quoi. On s'en va attaquer.
c'est un combat. Voilà. La vie, c'est un combat. Et nous devons nous-mêmes nous honorer. Honore-toi toi-même. Prends le temps parfois pour toi-même. Voilà. Donc, la remise des dons, des cahiers, c'est la semaine prochaine de demain. Voilà, le directeur de la dite école était déjà là. Nous avons déjà fait les achats. Voilà, et puis si on pouvait encore compléter avec quelques cahiers encore. Voilà, vous savez, nous avons les réfugiés du Nozo, du côté de Banga là-bas. Voilà, nous avons les réfugiés du côté de Banga là-bas, nos frères du Nozo. Vas-y, 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 champion, vas-y. Moi, je parle comme ça, vas-y. Donc, nous avons les réfugiés du Nozo, voilà. Voilà, tout ce qu'on fait sur la toile, tout ce que Banga Diaspora fait, si ça te plaît, tu peux encourager. C'est comment, non? Moi, je ne vais pas se faire comme ça, mon frère. Il y a les gens qui ont le volant qui ne savent pas conduire. Après, il va aller tuer les gens. Pas conduit ce mec là. Donc si tu veux participer, tu es la bienvenue. Donc voilà, tu me contactes sur mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Voilà, bien tu m'appelles directement sur mon numéro MTN 683 40 97 55. Voilà, si tu es à l'extérieur, tu peux aussi faire un dépôt, hein, dans Orange Money ou bien MTN Money. Voilà. L'incivisme. Voilà quelqu'un. Là, comme je disais l'autre jour, quelqu'un construit sur presque 800 mètres carrés. Mais c'est à la femme qui réfléchit qu'il me faut l'eau. Alors qu'il faut venir mettre le fourrage sur la route. Terrible. La vie des Camerounais sont en danger. C'est-à-dire que facilement ton ennemi est capable d'empoisonner le fourrage. Tout le monde meurt dans l'appartement parce qu'il veut ta tête. Mais oui, regardez au Cameroun, les gens. Les gars, quand vous venez au Cameroun, là, il faut louer, là, il faut bien réfléchir. Franchement. Ok, à tout à l'heure, non? Voilà. Ah, toi aussi, tu peux rester là derrière, non? Reste là derrière ou pas? Oh. Les jeunes d'aujourd'hui ne voulaient pas travailler. Vous, chacun veut la grandeur. Hein? Tu veux la grandeur, tu es obligé de t'asseoir à la cabine. Devenir grand une fois comme ça là, non, on va ici à côté, tu supportes une fois, terrible quand même, hein? Tout parce qu'on est la famille, la famille, oui, tu es la famille, oui, mais moins d'erreurs, mais il faut pas fuir les ouvriers. Vous êtes trois dans le pick-up parce que tu es de la famille, tu veux tout venir devant. Le combat ici à côté. C'est pas normal, hein. Voilà la famille. Donc tu peux participer, hein. Tu peux participer en faisant un don. En m'appelant directement sur mon numéro WhatsApp. Ou bien tu m'écris inbox dans mon messenger, Banga Diaspora officiel. On va te répondre. On va te dire. Te donner les conduites à suivre, comment nous faire parvenir ton don, si c'est de l'argent, si c'est les cahiers eux-mêmes. Voilà, et sachez que c'est les écoles anglophones, c'est les écoles anglophones, parce que les réfugiés du Nozo sont des nos frères anglophones de l'autre côté. Voilà, il faut faire des dons. Ça apporte la bénédiction dans notre vie. Voilà. Ça apporte la bénédiction dans notre vie. Les gens dorment. Hier était samedi. Ah oui, peut-être. Ah, tant pis, les gars. Moi, j'ai vécu comme ça auparavant. Bon, je n'empêche personne d'être malheureux, hein. Chacun a le droit et le devoir d'être heureux. Mais chacun fait son temps. J'ai compris la vie, mon frère. J'ai compris la vie, non. Dormir dehors, il faut s'asseoir
un jour pas comme les autres. Peut-être un ami qui se marie, peut-être je me prive le sommeil parce que c'est par rapport à quelque chose. Mais je ne fais plus le programme pour aller dormir dehors. Non, no way. J'ai fait ça, non? Qui ne me connaît pas ici à Bonamoussadi? Qui ne me connaît pas? Qui ne me connaît pas? Ah. Celui qui me connaît, celui qui me cherche, allez demander au DJ de Malox là. DJ Soirée. J'étais un chef dormi dehors. Mais ça ne t'apporte rien. Tous ces gens que vous voyez là dormir dehors là, c'est les gens que dans 2 ans, 3 ans, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Donc laissez chacun vivre sa vie. Voilà, mais ce que je dis là, c'est la vérité. Parfois dans la vie, avant de parler certaines choses, il faut être toi-même quelqu'un qui était un acteur de cela. J'étais un chef dormi dehors. J'ai loué à Aquanon. À Aquanon, derrière Santa Lucia là-bas. Il y a une maison là derrière. Je louais là-bas à l'époque. C'est un quartier que je n'ai jamais vu comme ça là dans la journée. Parce que quand je venais au Cameroun, hein, quand je venais au Cameroun, au quartier là, je venais souvent au Cameroun faire là-bas 6 mois. Je viens là-bas, matin, midi, soir. Du matin jusqu'au soir, je suis qu'à la maison, je dors seulement. Ma journée commençait qu'à 16h. Je me lève, je mange un peu, tout et tout. Voilà. Voilà là où j'ai fait presque mes 2 enfants à toi là. Voilà. J'ai fait peut-être 2 enfants à toi là dans cette maison là. Voilà. Ah quoi non. Après ça, je suis allé à Lorpom. Après ça, je suis parti à Denver. Voilà. Mais Denver, j'ai un bon souvenir avec Denver. Voilà, c'est à Denver que je suis devenu un homme. Ouais. C'est là que j'ai construit ma maison. Non, j'ai commencé ma maison quand j'étais à Lorpom. Le bailleur a commencé les pommes. Je suis sorti. Je suis allé à Denver. Ah oui. Donc voilà, il faut laisser. Vous savez, ne t'empêche pas d'être heureux parce que tu as les parents pauvres. Mais sois juste conscient qu'ils sont pauvres. Ça va t'amener à te battre dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui oublient que les parents sont pauvres. Et qui doivent doser. Alors que ça arrive, ils doivent diminuer le rythme de vie. Mon ami, on a fait les oreilles. Ah oui. Moi, je roule dans le pick-up. Comment? Moi, dans ma tête, c'est vrai que le pick-up, c'est la voiture des pauvres. C'est là, ça va le temps que tu comprends que hey, le pick-up, pourquoi les parents de l'Ouest, là, les multimilliardaires, chacun avait le pick-up dans sa cour. Mais oui, tu ne peux pas voir un milliardaire de l'Ouest qui n'a pas la voiture dans sa cour. Alors, c'est comme ça que d'abord, tu endommages ta voiture. Bah, tu portes tout à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la famille, je vais vous laisser. Je vous aime, on est ensemble. Ok, champion. Ok, du courage. Dans la vie, il faut se battre. Donc, pour tous ceux qui veulent soutenir Banga Diaspora dans l'élan de solidarité, voilà, vous pouvez. Mais, tu es parti l'autre jour, je ne t'ai pas vu. Mais j'ai donné quelque chose à ton gars là. Ah oui, d'accord. Voilà, donc, vous êtes la bienvenue. Accompagnez Banga Diaspora dans l'élan de solidarité. Donc, voilà, nous devons aider les enfants du Nozo à partir à l'école. Certains qui ont eu l'opportunité d'être encore en vie, certains qui ont eu la chance d'immigrer dans leur propre pays et de se réfugier. Donc voilà, nous vous exhortons à contribuer. Voilà. Il faut contribuer. Voilà. Donc si tu veux participer dans la cagnotte de Banga Diaspora, tu m'appelles. Bien sûr, tu participes seulement. Voilà. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. City Spot. Voilà. Tant pis pour ceux qui dorment encore dehors, ça le regarde. Il y a un âge pour dormir dehors, les gars. On ne dort pas dehors à tout âge. Voilà. Si tu continues à dormir dehors jusqu'à un certain âge, ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas. Voilà.
Dans la famille, je vous laisse. Hein. Je vous laisse. I love you.